seul, en pleine nature, avec les éléments, il faisait nuit. Soudain, un jean m'est apparu, il ressemblait à Michel Houellebecq, tu sais, celui des particules, et il me dit... La nuit cérébrale est profonde. Elle a créé le monde et l'intégralité des instruments. Nous descendons toujours vers le blanc. Au bout du blanc, il y a la mort et la séparation des corps. Entre les particules à vivre, j'achève mon parcours émotif. La vie est parfaite, la vie est ronde. C'est une nouvelle histoire du monde. La vie est parfaite, la vie est ronde. C'est une nouvelle histoire du monde. Comme le roc a besoin de l'eau qui le creuse, nous avons besoin de nouvelles métaphores. Dans la brisure de symétrie, dans la splendeur de l'identique, le monde est dissocié. Dissocié. Oh, dissocié. La contradiction qui remplit nos matins, nous respirons, c'est vrai, le ciel est paisible, mais nous ne croyons plus que la vie soit possible. Nous n'avons plus vraiment l'impression d'être humain. L'impression d'être humain. Il arrive un moment où les mots échangés, au lieu de se changer en éclats de lumière, se tordent autour de vous, étouffent vos pensées. Les mots ont une matière visqueuse quand ils pèsent très lourd. Ainsi les mots d'amour, la matière amoureuse.
soyons volontaires. La mort ne nous atteindra pas, nous sommes déjà morts. Tu penses au chat de Schrödinger, demi-mort ou demi-vivant, à la nature de la lumière et à l'ambiguïté du blanc. Tu penses au chat de Schrödinger, demi-mort ou demi-vivant, à la nature de la lumière et à l'ambiguïté du blanc. La vie est parfaite.